Seul, j'ai besoin d'être seul. Je dois être seul. J'ai envie d'être seul. Et je pense qu'il faut vraiment que je puisse m'octroyer du temps loin des personnes qui ont besoin de moi, du temps parce que moi aussi j'ai besoin de moi, j'ai besoin de me retrouver. 5 mois presque après mon accouchement, j'ai cessé d'exister. J'ai cessé de vivre pour moi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le bon jour. Aujourd'hui, dans ce 24 heures sans filtre, je vais enfin m'occuper de moi et moi seule. Oh ! Raph, t'es vraiment obligée de me mettre tout en haut ? Bonjour la communauté, comment ça va? J'ai actuellement la petite caméra parce que bébé dort. Bienvenue dans son tout nouveau 24 heures dans ma vie spécial. Je ne pense qu'à ma gueule. Dab, dab, dab. Et tu dab, 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 ce refrain qui te plaît. Trigger warning, misophonie. Le melon est pas... C'est trop chiant de choisir les melons, je sais jamais comment les choisir. On me dit... Quand il y a une tache jaune dessus, c'est qu'il est bon. Faut le sentir. Dites-moi si vous avez des petites techniques pour bien choisir le melon. Je vais me chercher une fourchette parce que je vais pas me lécher les doigts toute la vidéo. Je reviens. Donc, je sais pas si vous avez suivi sur les réseaux sociaux, mais j'ai eu mes règles. Et là, vous vous dites, bah, normal, cher. Non, pas normal, les gars. Mais du temps, ma chère melon, je savais pas. Non, pas normal les gars, puisque j'allaite. Et en fait, normalement, quand vous allaitez exclusivement, donc allaitement exclusif, ça veut dire que je ne donne à mon bébé uniquement que le lait qui sort de mes mamelles. Eh bien écoutez, normalement, je ne suis pas censée avoir mes règles jusqu'à la fin de l'allaitement, ou alors, on va dire, jusqu'à ces 6 mois. Je suis à 4 mois d'allaitement exclusif. Vlatipa qui débarque, qui chamboule ma vue, qui chamboule mon corps, qui me chamboule complètement. Mes règles, los reglos. À chaque fois que je le vois bouger dans la caméra, se réveiller, j'ai mon cœur qui se... Je vous explique. En ce moment-là, il a 4 mois, c'est la misère. Il me fait la zermie. Je suis son esclave. Je n'en peux plus. La régression du sommeil, les gencives. Bref, c'est vraiment hardcore. Je sais même pas comment je fais pour avoir du temps pour moi. Je n'en ai pas, tout simplement. Déjà, depuis qu'il est né, je n'ai pas trop de temps pour moi. Vous savez ça, là? Vous vous dites, putain, chéra, trop cute ton pyjama. Pas du tout, c'est pas mon pyjama. C'est le t-shirt que hier j'ai porté pour la journée. Et que tellement hier j'étais fatiguée, je me suis endormie avec mon t-shirt de la journée. J'ai même pas mis de pyjama. Enfin, si, j'ai mis mon bas de pyjama. Est-ce que vous vous rendez compte? Do you want to count? Je sais même plus ce que je disais. Bref, j'ai eu mes règles. MDR. Je vais aux toilettes, je pose mon cul sur le trône. Vlatipa que je vois une tache bien rouge, sa mère sur ma culotte. À partir de ce moment-là, je me dis, what the fuck? C'est pas possible. Elles n'ont pas pu être si pressées de me voir. Ces grosses ces de règles, elles avaient super hâte de me voir, elles avaient super hâte de me retrouver. Elles sont venues à la porte comme ça, ding dong, on est venu plutôt prévu, comme des invités super chiants, alors que t'es en train de préparer ta maison pour qu'ils viennent. Et ben non, ils débarquent déjà. Alors, je peux vous dire que j'ai chialé, premièrement. Que j'ai bien chialé sa mère parce que je me suis dit putain, je peux être tranquille pendant un an si j'allais pendant un an. Que nenni. J'ai mes règles depuis que j'ai l'âge de 10 ans et demi, les gars. Non-stop, chaque mois, elles viennent toquer à ma porte. Je me suis dit putain, je suis enceinte. Est-ce que ça peut être le seul point, on va dire, où mon corps peut me foutre la paix? Pas du tout. Donc j'ai pleuré. J'ai pleuré, Raph en a bavé et j'ai senti que c'était injuste.
Je fais partie de 15% des femmes qui ont leurs règles avant les 4 mois, avant les 6 mois, pendant un allaitement exclusif. 15 fucking pourcents. Alors, je me plains pas, hein, même si on dirait que je me plains, parce que on touche du bois, c'est la santé. Mais je pensais avoir des petites vacances. Non, chère, tu n'as pas de répit. Tu vas avoir du liquide qui va sortir de tes seins et de ta schneck. Tout. J'ai l'impression qu'on me presse tout. J'ai l'impression qu'on me vide complètement. Je suis, les gars, vidée. Je suis vidée, j'en peux plus. Et donc, du coup, dernièrement, bébé hardcore, pour la première fois en 4 mois, j'ai demandé de l'aide. J'ai appelé ma mère, je dis, maman, tu viens à la maison, est-ce que tu peux garder le petit? Je me tire. Bah, ce Raph bosse. Il faut savoir qu'on a une organisation très méthodique avec Raph. Un jour où il bosse, c'est moi qui m'occupe du petit. Un jour où moi je bosse, je m'occupe du petit, mais on bosse à la maison. Donc j'ai dit à ma mère, maman, viens, save me. You gotta save me. Donc ma mère va venir, va garder le petit. Et aujourd'hui, pour la première fois depuis mon accouchement, je sais même plus ce que je voulais dire. J'ai complètement perdu le fil. Et donc du coup, je suis épuisée. Donc aujourd'hui, les gars, c'est une journée pour moi. J'ai prévu un petit programme aux petits oignons. Je peux vous dire, je suis très contente. Ma mère va venir, elle va garder le petit. Je vais lui faire le plus grand bonheur pendant que moi, pour la première fois en 5 mois, je m'octroie une après-midi au spa. Je vais me faire masser. Toute ma grossesse, je me suis pas fait masser. Ça fait, les gars, sans vous mentir, plus d'un an que je me suis pas fait masser. Plus d'un an que ce corps n'a pas été touché par une autre personne que la personne qui est passée derrière moi. Donc là, je peux vous dire, un petit soin du visage et un petit massage, waouh. Déjà, rien que sortir de la maison, waouh. Ça va passer en douche. Déjà, je vais enlever mon petit haut là. Est-ce que vous voulez voir l'état de mes cheveux? Non, parce que j'ai pas le temps de me laver. J'ai pas l'état de mes cheveux. Regardez, les gars. Voilà mes cheveux. T'as même pas voulu faire une blague. T'as même pas voulu mettre tes mains dedans tellement tu vas perdre tes mains. Donc, comment vous dire? Je pense que je vais quand même me laver les cheveux avant d'y aller parce que sinon c'est la honte. Ou alors je mets mon turban. Ça fait une semaine que je vis avec ce turban. J'en peux plus. J'en peux plus de ma gueule. Donc aujourd'hui, les garçons, vous allez vivre avec ma mère. Tranquille. Bah oui, les garçons. Toi, Popeye. J'en peux plus de ce foulard. J'en peux plus de ce turban. Donc je vais me laver les cheveux quand même, histoire de pas me taper la honte. Histoire de pas être trop catastrophique. Ma soeur, elle m'a ramené de Sicile de la crème de pistache. C'est vraiment la chose la plus divine du monde. Toast beurre de cacahuète et un toast beurre de pistache. Ça va passer en douche après. Ma mère, elle est arrivée, donc très contente, très soulagée, je vais pas vous mentir. Et là, du coup, je vais faire bouillir un biberon. En même temps, je vais faire bouillir sa totote pour les stériliser. Oh, pourquoi j'ai enlevé mes lunettes, je vois que dalle. Oh, elle est restée sur ma tête. Dab. Que du coup, on m'a envoyé pas mal de choses. Lanzino m'a envoyé leur biberon avec du verre. Et le biberon français m'a envoyé leur biberon de la collection Stella McCartney avec la totote. Probius. Et du coup, comme c'est pas un bébé qui boit le biberon, du coup, il me faut un bout de biberon qui imite mon sein. Et je pense que ça, 160 ml, ça imite bien mon sein, je crois. Je pense que je vais faire bouillir ça. En plus, c'est du verre. Ça, ce sera pour quand ce sera plus grand. Et en même temps, je vais faire bouillir ça. On va faire bouillir. Wow. Il est midi, je dois partir de la maison à 13h30. Est-ce que j'aurai le temps de me laver le chulé? Est-ce que j'aurai le temps de me... Regardez. Je suis comme ça, j'ai pas de dégaine, il y a mon vent qui sort. Mais je m'en fous. Dommage, il est beau, hein, ce petit homme. Alors, on part sur de l'eau bouillante. Allez, hop là. Hop. Bon, on est y part. Ouais, moi, je stérilise ça. Les gars, quand il y a ma mère à la maison, je vais en profiter pour lui faire à manger. Parce qu'elle garde le petit. Et vous savez ce que je vais faire? Ça va être 100% Picard. Donc, du saumon congelé, des oignons congelés, de l'ail congelé. Et on va foutre tout ça au four. Et ça va aller super vite. Comme ça, on est tranquille. Et là, on est sur 4 minutes. J'adore les oignons, donc j'en ai beaucoup. 5 minutes. Hop là.
Hop là, on va aller le rincer à l'eau froide. Hop là, l'eau froide. Je dois aussi tirer mon lait, j'ai complètement oublié. Maman, tu dis bonjour. Bonjour, bonjour. Bon, qu'est-ce que tu racontes de bois, la communauté, ça fait longtemps. Comment va la rinté? Ça fait longtemps que tu les as pas parlé. C'est vrai. Bah, tout va bien. T'es grand-mère? Je suis grand-mère et je suis très, 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 très contente. Et là, je suis avec mon petit-fils, qui est gentil. Il est gentil, hein? Genre, oui, bien sûr qu'il est gentil. Mais quelquefois, pour le sommeil, c'est un peu dur. C'est ma mère qui le dit, en plus. Hein, mon bichon? Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Poivre, sel, huile d'olive. On met ça au four. Je mets ça au four, maman. T'as changé tes lunettes? Non, je n'ai pas changé mes lunettes. Faut les changer. C'est des lunettes qui datent, ça. Elles datent de quand, maman, déjà? Tu leur dis? Je crois que c'est moi qui les ai fait, en plus. Ouais, c'est toi qui les as fait, je me souviens. 2013, non? Oui. Après, vous me foutez tous la paix. Là, je suis actuellement en train de tirer mon lait. Mais je ne vais pas vous faire un dessin non plus, hein. On est sur une pompe, voilà, qui va venir pomper. Okay. Vous entendez le bruit? Je vais pas vous montrer le reste, hein. Je suis posée avec ma maman qui est juste là. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être grand-mère? C'est indescriptible. C'est des émotions, c'est encore beaucoup d'amour, c'est noyé dans l'amour. Ouais. Voilà. Ah ouais. Et qu'est-ce que ça te fait de voir maman, de me voir maman? Parce que là, la légende m'a commu. Ça fait longtemps que tu leur as pas parlé. La dernière fois que tu leur as parlé, c'était quand? C'était il y a super longtemps. C'était il y a plus d'un an. Un an et demi. Ouais. De te voir maman? Ouais. Bah, tu as beaucoup changé, hein. Je parle physiquement, bon, bien sûr qu'il y a des changements, ça c'est normal. Des changements physiologiques, c'est normal. Mais psychologique, oui aussi. Et puis bon, t'as gagné beaucoup dans la maturité. Ah ouais, tu trouves? Beaucoup, oui. Et je te trouve super avec ton fils. Ah ouais? Tu anticipes, tu... Alors que avant. Zéro organisation. Ah, zéro organisation, zéro anticipation. Zéro. Mais là, tu, avant de faire quoi que ce soit, tu poses tout, tu dis voilà, tu anticipes. Tu fais pas les choses à l'improviste. Ouais. Et c'est ça, tes parents. J'avoue que moi, c'était un peu madame dernière minute. Et là, pour le coup, je suis pas madame dernière minute. Je dirais même bordélique, hein. C'était pour voyager, c'est à la dernière minute, pour tout. C'était tout à la va-vite. Et là, c'est de l'organisation. Et ouais, mais faut bien, hein. Faut bien s'améliorer parce que sinon... T'as gagné beaucoup. Tu as été. Ouais. Et tu es très, très, très maternelle, très, très... Oh là là, t'es même une lionne. Ah ouais? Oh, il faut pas qu'on s'approche de mon fils. Non, c'est mon fils, c'est moi, c'est maman. Oui, on va faire comme ça. Non, c'est moi qui fais parce que c'est mon fils. Je sais qu'est-ce qui est bien pour lui. La maman, t'as raison, hein. T'es moi ta maman. Regarde comment il rigole, il sourit. T'es moi ta maman. Oui. C'est moi. Le four, hein. Oh, les gars, je dois regarder le four, la nourriture. Je dois... faire un montage photo pour l'envoyer à Lidl parce qu'on a un réel avec Lidl qui sort avec Raph. Mais Raph, aujourd'hui, le mercredi, c'est son jour de taf. Normalement, je n'ai à rien lui demander sauf des urgences. Comme moi, hier, c'était mon jour de taf. Mais bon, j'ai pas trop taffé, donc je vais avoir un jour de taf, je pense, vendredi. Pour un réel avec Lidl. Il y a les miniatures de Raph. Putain, j'avais besoin de lait pour mes chocapic. Regardez ce que j'ai reçu, les gars. C'est un truc pour le golf pour m'aider à avoir un meilleur grip. Je sais que ça vous intéresse à mort. Tu vas même pas dire bonjour. Moi je vous dis pas bonjour. Bonjour. Je dis bonjour car ma communauté. Non je rigole, ça vaut quoi les gars? Ça dit quoi là? Dites-moi en commentaire, ça dit quoi là? Vous êtes bien, tranquille? Est-ce que la vie elle va bien? Bébé dort, alors si ça claque, c'est mort. Dites-moi si vous ça va, hein. Non ça va, hein. Là je travaille. Bah écoutez, mon saumon il a l'air bon. Hein. Tiens maman. Merci. Du coup j'ai réussi à laver les cheveux, mais j'ai pas du tout fait ma routine. J'ai juste fait en sorte que mes cheveux soient propres. Si elle passe ses doigts dans mes cheveux, au moins il n'y a pas de nœud. Là, je vais y aller. Du coup, il y a mon Uber qui arrive. J'ai trop hâte de vous abandonner les loulous. On va s'occuper de moi. Oui. Ah, vous avez pas vu Popeye? Bonjour. Bonjour. Alors, mamie, elle t'a donné du saumon? Viens, mon Popeye, viens, viens. Mais bien sûr, j'ai gardé un morceau
exprès pour lui. Non, ma mère, elle est gaga de Popeye. À chaque fois, elle lui donne à manger, mais faut surveiller. Faut surveiller que tu donnes pas n'importe quoi. Enfin, je donne pas n'importe quoi, mais... Je t'ai demandé, hein. Oui, c'est vrai. Je t'ai demandé, c'était pas trop salé, il y avait pas trop d'épices. Je me suis lavé le visage parce que aussi je vais faire un soin. J'ai des petites rougeurs. J'ai trop hâte, les gars, je vous jure. J'ai pris des petites hugs. Des petites hugs. J'ai pris des petites crocs. Je me dis, comme ça, au moins, je serai confortable. Hein. Petit outfit. Oh my god, ah, je suis arrivée à Cartel, c'est magnifique, rose Cartel, du coup c'est trop trop beau, oh, on va prendre soin de moi, j'en ai besoin, j'en veux plus. On m'a donné des petits chaussons, j'ai enlevé mes crocs de l'enfer. Ah ouais, et ils sont super confort ces chaussons là, oh, wow, j'ai l'impression que je marche sur un nuage. Wow. On va faire la vidéo en ASMR. Je sais pas si vous voyez mon visage, mais on dirait vraiment que... Reposé. On dirait que j'ai 5 ans de moins. C'est incroyable. Waouh, ça m'a fait trop du bien. Je vous expliquerai après, c'était juste ouf. Wow. Vraiment, Rose Cartel, si vous voulez vous détendre, venez ici, The Place to Be. Bon les gars, je viens de sortir. Je vlog jamais comme ça. Vous voyez, attendez, oh, je vous nettoie parce que vous êtes crado. My god, regardez, j'ai l'air vraiment super fatiguée. Alors vous savez quoi les gars, pendant tout mon massage, je n'ai fait que penser à des pancakes. Les pancakes à la cacahuète de chez Season. Donc je vais y aller, je vais me prendre mes pancakes, je pars voir mon fils. Parce que je vous cache pas que j'ai pas arrêté de penser à lui tout le long aussi. C'est fou, franchement c'est... Il n'y a pas une seconde où j'ai pas pensé à lui quoi. Ah, je suis bien là. Je viens de rentrer. Vraiment, on dirait que j'ai rajeuni, quoi. Écoutez ma mère. Elle essaie de le faire dormir, il rigole. Je vais me laver, je vais manger mes pancakes. Ma maman, elle va endormir le petit. Oh, je suis trop contente. Franchement, je ne pourrais jamais la remercier assez. God bless les mamans. J'ai attendu ça pendant tout le soin visage. Les pancakes du season. Waouh, alors ils sont ultra fluffy. Regardez-moi ça. Popeye, tu vas rien avoir, mon fils. Si c'est pas pour toi du tout. Je dois tirer mon lait après parce que s'il y a une chose que vous savez pas à propos de l'allaitement, c'est que il ne faut pas que vous perdiez l'allaitement. Moins le petit tête ou moins vous tirez votre lait, moins vous avez du lait jusqu'à ne plus en avoir. Donc moi, comme je veux continuer à allaiter. J'en ai mis beaucoup, faut que je tire mon lait. Parce qu'actuellement ça fait combien de temps là, 8 heures que j'ai pas que le lait n'est pas sorti de mes seins. Déjà, de 1, ça fait mal quand ça reste dans les seins. Et de 2, faut le faire. Quand je vous dis que j'ai pensé pendant tout le soin. Ah oui, je vous ai pas raconté le soin. On m'a massé le dos pendant 45 minutes. Faut savoir que... Allô? Raph avait oublié ses clés. Je veux que personne me gâche ce moment. Ah oui, donc, je vous disais, elle m'a massé le corps. Il faut savoir que le Rose Cartel, ils ont que des produits super clean et made in France. Donc ça, c'est trop bien. Elle m'a fait un soin du visage, mes potes. Waouh. Pendant qu'elle me faisait le soin et le gommage, il y avait une machine qui me mettait genre de la vapeur. C'est trop agréable. Après, elle m'a fait de la luminothérapie. Après, elle m'a fait un peeling. Après, elle m'a fait... Je t'en ai laissé, en fait. Mais vas-y, mange. Ah bon? C'est la moitié. Waouh. Extraordinaire. Mais je me demandais si j'avais pas envie de le manger. Bon, laisse-moi goûter alors. Je t'en laisse un. Regarde, c'est énorme. T'es bon. Hein. Ouais, ils sont fades un peu. Eh ben, vas-y, mange pas. Tu m'as gonflé là. T'as mangé tout ça pour me dire qu'ils sont fades. Allez, vas-y, bouge.
C'était incroyable, les amis. Si vous voulez vous faire du bien, allez chez Rose Cartel. Vraiment, l'expérience vous prend le visage. Rose comment? Rose Cartel. Même dans les plus grands palaces, j'ai jamais eu une expérience aussi bien, genre. Non. Attends, je veux juste savoir, c'est quoi ça? Moi, je le sais. Moi, je t'ai cru que c'était ton chien, ça. Tu veux pas me faire une gamelle aussi? Bah non. Et ça m'a fait grave du bien. Mais je vous montrerai mieux ma peau après. Parce que vraiment, on dirait que j'ai rajeuni. Bah oui, tu trouves pas qu'on dirait que j'ai rajeuni? Elle m'a dit, est-ce que je vous masse le ventre? J'ai dit non, j'étais grave pas à l'aise. Je veux pas qu'on me touche le ventre encore. J'ai encore du mal à ce qu'on me touche le ventre. J'ai les seins comme ça, blindés de l'air. Là, il faut que je le tiens. T'as vu que Fresh la Peufra, il est numéro 1 partout? Ouais. Oh, il est fou, quoi. J'ai écouté la musique, faut que je la chope. Ouais. Dans le... Moi aussi, je l'écoutais dans ma voiture. Mais c'est bon, c'est démodé maintenant. Ah bon? Ouais, passe à autre chose. Alors, non, c'est bien. Mais passe à autre chose. Raconte-nous ta journée. Moi, j'ai eu énormément de montage. J'ai eu du montage. Après, j'ai fait du montage. Mmh. Et juste après le montage, bah, j'ai enchaîné avec du montage. Et après, j'ai fait ma miniature. Ma mère, elle m'a dit que tu te disais que j'allais pas penser au gosse. Au gosse. J'allais pas penser au bébé pendant tout le truc. Non, pas tout le truc, mais voilà quoi. Que j'allais l'oublier? Un moment, oui, quand même, que t'allais penser à toi. J'ai fait que penser à lui. Et pas à moi? Sympa. Moi, je suis content. Ce week-end, il y a Silverstone. Stallone? Non, Silverstone. Dites-moi Stallone. En commentaire si vous savez ce que c'est Silverstone. En parlant de Silverstone. Stallone? Ena, t'as appelé? Je crois qu'ils avaient un truc à te proposer. Moi, que j'ai refusé à ta place. Je compte Silverstone. Non, Silverstone, frère. Elle m'aurait dit ce week-end, tu vas aller à Silverstone. C'est quoi Silverstone? C'est la Formule 1, c'est le Grand Prix de Grande-Bretagne. Et ce week-end, elle voulait qu'on parte à Londres voir le concert de Adele. Et Jeanne m'a appelé pour ça, j'ai dit j'aime pas Adele. Et j'ai dit à Ena, elle m'a dit à ton avis, est-ce que ça lui ferait plaisir? J'ai dit. C'est très gentil, mais j'aime pas Adele. Je lui ai dit franchement, je pense pas. Laissez-moi avec mon fils. On mange quoi ce soir? Des pancakes. Waouh, allez. Ça me dégoûte. Tu vois, ça me dégoûte. C'est ton problème. Non, ne dégoûte pas les autres. Tu sais pourquoi t'es dans une boîte Maintenant j'ai mon banquier, God bless. Ah j'avoue, il y en a beaucoup. Ah ça me dégoûte. Les gars. Je vais vomir, attends. Ne dégoûte pas les autres. J'ai pas mangé de la journée. Ce matin, ce que vous avez vu, ce que j'ai mangé, je redeviens maman. Je viens? Vas-y, ouais. Vas-y. Parti. Voilà, je voulais vous filmer ma peau d'un peu plus près. Vraiment, on dirait que j'ai rajeuni, je trouve. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, c'est... Pourquoi j'ai l'accent? Du sud. Bref, en tout cas, ça m'a fait archi du bien. Genre, j'ai même les petits yeux du matin. Je crois qu'ils y sont dans les rushs juste avant, mais morts de rire. Bon, je vais tirer mon lait. On va faire un petit débrief de la journée. C'est le moment du jour. C'est le jeu. C'est... Ah oui. Même si on a un bébé, il joue toujours avec toi. Bonjour, nous sommes le lendemain matin. Il est actuellement 10h03. Bon, si vous pensez que je me suis levée à 10h03, oui, 10h13, oui. Mais les gars, le bébé s'est réveillé à 4h40. J'ai dû le recoucher pendant une heure. Après, c'est Raph qui a pris le relais. Après, on s'est encore réveillé. Je me suis dit non. Ce matin, c'est Raph qui s'est occupé de la toilette du petit pendant que moi je récupérais. Là, il refait la sieste. Et Raph, il a fait un petit déj. Ça, c'est des. Hein? Ça, c'est des toasts, œufs. Et ça, c'est des pancakes. C'est pas tes trucs d'hier, là. Oui. Et c'était bon, mes trucs d'hier? Non, c'était pas bon. Avec un petit latte macchiato. Oh, il y a des bulles et tout. Mmh. Alors, on est parti pour faire le petit. La petite story sponsorisée. Bon, du coup, on est parti. Là, j'ai mon téléphone pour faire ma story sponso. Et on est parti, les loulous. Ça fait déjà plus d'un an et demi que j'utilise les déodorants de la marque Wild. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement des déodorants qui sont Les gars, à chaque fois c'est pareil, j'ai du mal à formuler mes phrases, Avant que vous voyez la story en story, je l'ai au moins fait mille fois, répété mille fois, parce que je m'embrouille dans ma tête et des fois on peut dire des choses qui sont pas forcément très correctes. On va dire, par exemple, des fois tu peux dire que c'est bio et la marque elle va te dire, bah c'est pas bio en fait, c'est naturel, par exemple. Et donc du coup c'est pour ça qu'il faut faire attention à bien dire les bons termes en fait du produit.
Donc du coup, à chaque fois je recommence pour être le plus carré possible. J'envoie ensuite la preview, c'est-à-dire que j'envoie ça avant de le poster sur en story. Je le poste jamais directement, je l'envoie à la marque. Et la marque va me dire, ah c'est bon, t'as bien fait, ou alors rajoute ça, ou alors refais, ou alors faut pas dire ça, etc. et tout. Mais c'est des marques avec qui je travaille qui me choisissent pour mon ADN, pour ma manière de dire les choses, et qui va jamais, on va dire, changer ma manière de dire les choses. Donc du coup, on est parti, je recommence. Les gars, ça fait plus d'un an et demi que je vous parle des déodorants de la marque Wild. Et là, par exemple, la marque, elle m'a demandé 3 écrans. Mais moi, j'en fais plus parce que bah, je kiffe la marque et que je trouve que c'est pas assez pour bien présenter l'article, en fait, tout simplement. Mais je ne suis pas rémunérée plus parce que je fais plus d'écrans. Voilà, c'était juste aussi, je voulais être transparente avec vous de ce côté-là. Voilà. Et donc, du coup... les stories que j'ai enregistrées, je vais avoir à les poster ce soir. C'est assez rare que ce soit le matin pour le soir. C'est vraiment parce que c'est une marque avec qui je travaille depuis un moment et qu'elle me fait confiance et qu'elle a l'habitude de comment je procède. Généralement, on envoie les previews 2 jours avant. Donc du coup, là, je vais envoyer des images à mon agent qui va l'envoyer à la marque et la marque va valider ou non, du coup, les contenus. Ah, donc là, je suis sur mon ordi. Je vais pas tarder à envoyer ces rushs que vous voyez là à mes monteuses qui font un taf de folie. D'ailleurs, merci beaucoup, beaucoup. Je vais aussi faire mes mails du coup parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait mes mails. Je suis en agence donc j'ai un agent qui gère mes mails et qui répond et qui m'envoie du coup, enfin qui me fait un reporting de tout ce qui est entrant. Ah, mon portable! Et donc du coup, il faut quand même que je fasse certains mails. Et à 15h, on va chez un de nos potes pour, avec notre fils, du coup, bien, et qu'on passe du temps tous ensemble. Ça va être chouette. Oui, je peux tout manger, je peux juste pas boire d'alcool, quoi. Mais c'est tout, oui, c'est vrai. Je peux tout manger. À tout temps. Ouais. Jeudi, c'est le jour des mises à jour de Instagram. Ah bon? Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais laissé pousser mes ongles. Par contre, ils avaient bien poussé. Mais une nuit, en pleine nuit, pendant que bébé était réveillé, j'ai tout rongé. Parce que je suis des fois un peu sous pression, ce qui est normal. J'ai même fait une story en disant purée, mais j'ai trop envie de reprendre la clope tellement je suis. Mais il aime trop les bisous, ça. Mais ça fait 2 ans que j'ai arrêté, donc hors de question. Et puis j'allaite, donc c'est impossible. Je me laisse même pas le choix. Alors, j'ai regardé un petit peu mes mails et tout. Ce que je dois faire là, je dois faire une story pour une marque que j'adore. Ah, trop bien. Stock, c'est une marque pour bébé qui est juste extraordinaire. Voilà, je voulais vraiment vous en parler. La poussette qu'on a, c'est une Stock. Elle est juste extraordinaire. Ouais, c'est bien. Elle est vraiment géniale. Le seul défaut, elle est super solide. Le seul défaut, c'est que... Elle est où, ça, toi? C'est un 4x4. Sa qualité, c'est son défaut. Pour les voyages, c'est chiant, mais par contre, pour tous les jours... Pour tous les jours, c'est vraiment la meilleure poussette que j'ai jamais eue. Mais j'avoue que pour vraiment, voyager... elle roule sur tout, elle roule sur les pavés, vraiment, c'est un 4x4, c'est incroyable, j'adore cette... Ouais, trop bien. J'adore cette poussette, je vous mettrai une photo juste là. J'ai aussi, ils m'ont aussi envoyé la baignoire pour bébé. Incroyable la baignoire, elle est tellement pratique parce que moi j'avais peur d'utiliser une baignoire en gros et de me faire mal au dos, etc. et tout. En fait, c'est une baignoire sur pied où il y a justement un embout à mettre directement dans la baignoire pour vider l'eau pour la vraie baignoire. Elle est trop pratique. Bon, bébé commence à devenir un peu grand pour le sizing, mais en tout cas pour les premiers mois, c'est vraiment une trop bonne baignoire. Elle se replie, donc elle peut se mettre dans les placards. Elle est juste géniale pour les rangements. Et franchement, c'est une marque qui m'a fait un gifting. Et ils ont été en mode, Chéra, parle-en quand t'en as envie, déjà premièrement. Parle-en si t'en as envie, deuxièmement. Et ils m'ont jamais mis de pression. Et ça, j'aime beaucoup parce que du coup, ça me donne envie d'être le plus, de faire vraiment mon expérience au lieu d'être à la hâte et de montrer directement l'article. Et franchement, je les aime trop. Et donc, du coup, là, j'ai fait un post où je les ai tagués, c'était content. Je n'ai jamais comment parler, en gros. Donc, si vous recherchez une très très bonne poussette, les stocks, elles sont incroyables, vraiment. Ils ont même fait des nouvelles poussettes qui sont pliables, un peu plus. Comment dire ? Un peu plus facile à transporter, parce que je vous avoue que celle qu'on a, elle est pas facile à transporter et c'est vraiment son seul point négatif. Mais nous, ça nous va amplement parce qu'on n'est pas, tout le temps à... Enfin, je prends pas les transports, je suis pas tout le temps en cavale, je travaille de la maison. Si j'ai envie de sortir le petit, c'est dans des forêts, donc c'est vraiment le genre de poussette qu'il me faut à moi. Pour les vacances, je pense qu'on va plutôt opter pour tout ce qui est principe de yo-yo, on va dire. Donc facile à transporter, etc. Oui, donc du coup, ils vont nous envoyer leur chaise.
chaise haute et ça j'ai vraiment trop hâte. Donc c'est vraiment une marque que je vous recommande à 2000%. Et je voulais dire un autre truc. Oui, je voulais faire une vidéo où justement je vous partage les choses à acheter et les choses à ne pas acheter pour les bébés. Parce qu'il y a des choses que j'ai achetées que j'ai jamais utilisées. Donc du coup... Ouais, il veut te voir. Du coup, voilà. Ouais, il veut venir sur toi. Bon bah à toutes, parce que là, bébé a besoin de maman. Les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé ce 24 heures dans ma vie. Moi, comme d'hab, j'adore partager ces petits moments avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et puis papoter un petit peu avec nous, la communauté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ah, j'ai vu qu'on était 2 millions! Incroyable! Mais les gars, j'ai pas pu me festoyer, être contente parce que en ce moment, YouTube, on perd des abonnés. Donc, j'ai pas envie de dire, ouais, trop bien, j'ai 2 millions et... un mois après je perds et après j'ai moins. J'attends d'avoir un petit peu plus pour être sûre d'avoir les 2 millions avant de faire un waouh waouh. Mais merci du fond du cœur, c'est juste dingue, vraiment merci. Sur ce, comme d'hab, je vous aime fort et je vous fais de gros bisous.